Bon, qui dit business dit forcément investissement. Donc, vous devez investir votre argent quelque part. Donc, ici, excusez-moi pour la lumière. Ici, j'ai tenu bon de noter les 10 commandements d'un investisseur averti. Premier commandement, l'investissement, c'est le sport de tous les riches. Donc, sachez que vous allez tout le temps passer le temps à investir. Donc, il faut tout le temps vous former sur les investissements que vous allez faire. Parce que tous les riches investissent tout le temps, du temps pour se former. Parce que le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est l'investissement que vous faites en vous-même. Et c'est pour ça que je vous ai félicité du fait que vous avez décidé d'assister à cette masterclass. Parce que c'est un investissement que vous faites en vous-même. Vous allez avoir certaines informations que vous pourrez plus tard transformer en argent. Ou du moins, éviter de perdre de l'argent dans notre potentiel business. Troisième point, troisième commandement, c'est investir uniquement la quantité d'argent qu'on peut se permettre de perdre. Uniquement. Parce qu'investir, c'est prendre un risque. C'est prendre le risque de perdre l'argent qu'on a. Donc, c'est pour ça qu'il faut investir un argent qu'on peut se permettre de perdre. Un argent qui, si quand on le perd, ça ne va pas nous détruire. J'aime bien raconter l'histoire de mon investissement de 600 euros qui a capoté en 2019. En 2019, mon pote et moi, on se dit, OK, on va organiser une soirée, puisque personne n'organise une soirée de fin d'année. Donc, on se dit, on va organiser une soirée, les gens vont payer leur ticket d'entrée. Donc, moi, je savais déjà que lorsqu'on se lance en business, il faut toujours investir ce qu'on peut se permettre de perdre. Donc, moi, je me dis, OK, j'ai mes idées, mon épargne. Si j'enlève 600 euros et que je les perds, franchement, ça n'aura aucun impact sur ma vie. C'est ce que j'ai fait. J'ai perdu ces 600 euros et ma vie a continué. Donc, on investit uniquement en argent qu'on peut se permettre de perdre pour limiter les risques. Quatrième commandement, ne jamais investir dans un business dont on ne comprend pas le business model. Business model, c'est comment est-ce qu'on va gagner de l'argent dans ce business-là. Il y en a qui investissent dans la crypto-monnaie, qui ne savent même pas comment est-ce qu'on rentabilise un investissement dans la crypto-monnaie. Il y en a qui investissent dans le trading, ils ne savent même pas comment on fait pour rentabiliser dans le trading. Il y en a même qui investissent dans le marketing de réseau, ils ne savent même pas comment on fait pour rentabiliser dedans, juste parce que quelqu'un est venu leur proposer l'opportunité du siècle. Non. Si tu ne sais pas comment ton argent va tourner, n'investis pas dedans. C'est pour ça qu'il faut se former avant d'investir. Et beaucoup me posent la question, savoir, Valère, pourquoi je ne parle pas de Bitcoin? Valère, pourquoi je n'investis pas dans le Bitcoin? Il a dit que tant que je ne vais pas accepter de me former dans ces différents investissements-là, je ne le ferai pas. Il y a beaucoup d'autres moyens de gagner de l'argent. C'est vrai que c'est nouveau, on se lance dedans, c'est vrai que c'est rentable, mais il faut d'abord prendre le temps de savoir ce que c'est. Voilà, donc comme je ne suis pas encore formé là-dedans, c'est pour ça que je n'ai jamais investi là-dedans, c'est aussi pour ça que je n'en parle presque jamais. Faire des investissements fractionnés, ça c'est le cinquième commandement. Qu'est-ce que j'entends par investissement fractionné? Si vous avez 100 000 francs que vous voulez investir dans un business qui est nouveau, divisez ces 100 000 francs-là en 10 ou en 5 et vous prenez le dixième, 10 000, vous investissez. Vous voyez ce qui se passe. Donc vous faites une version minimaliste de votre projet. Il y a toujours une version à un jour d'un projet. Toujours. Il y a toujours une version à un jour. Vous voulez vendre des produits sur Internet, mais qu'est-ce qu'il vous faut faire? Vous prenez votre WhatsApp, vous mettez vos produits sur WhatsApp, vous voyez ce qui se passe. Vous voulez vendre sur Internet, vous avez Facebook, mettez un produit, vous voyez ce qui se passe. Ça ne sert à rien de vouloir commencer à prendre beaucoup d'argent, investir dans un site Internet et tout pendant 6 mois après quand vous créez votre site Internet. Personne n'est intéressé par ce que vous produisez sur votre site internet. Donc, au lieu de perdre tout ce temps-là, faites une version à un jour de votre projet et voyez ce qui se passe. Sixième point, toujours commencer au bas de l'échelle, capital. En business, il n'y a pas d'ascenseur, il y a juste des marches d'escalier. Donc, il faut toujours commencer en bas. Toujours, toujours, toujours en bas. Et c'est quand vous avez maîtrisé tout le processus en bas que maintenant vous injectez de l'argent pour optimiser et prendre de l'ampleur, pour vous étaler. C'est très important d'avoir cette notion-là. Voici ce qui va se passer en général lorsque vous allez vouloir vous lancer et que vous êtes peut-être salarié. Si vous êtes dans un job où vous gagnez peut-être 100 000 francs ou 1 000 euros le mois, là, vous dites non, si je lance un business, il faut que déjà à la base, que je gagne au moins 1 000 euros par mois ou au moins le même salaire que moi. Non, que je gagne, non. Quand vous lancez un business, dites que vous allez commencer en bas. Mais plus vous allez vous former, plus vous allez utiliser les leviers. Et peut-être pendant les 3 premières années, vous allez gagner même 10 fois moins que ce que vous gagnez dans votre salaire. Mais au bout de la 5e année, vous allez gagner peut-être 5 fois, 6 fois, 10 fois plus que ce que vous aviez dans votre boulot. C'est exactement ce qui s'est passé aussi avec moi. Quand j'ai quitté McDo pour me lancer en business, au début, c'était chaud. C'est justement pour ça
qu'il faut s'assurer d'avoir quand même au moins 6 mois ou 1 an de salaire de côté, le temps que votre business puisse devenir autonome. Au début, vous injectez de l'argent. Ensuite, c'est l'argent du business que vous réinjectez. Et après, maintenant, vous pouvez maintenant prendre de l'argent pour vous payer à partir du business. C'est le processus. Il faut toujours commencer en bas de l'échelle. 7e point, toujours penser à complexifier ses investissements. C'est capital. Vous savez, lorsque vous allez vous lancer en business, peut-être dans un secteur qui, je veux dire, est peut-être innovant ou auquel personne ne croit, au début, on va vous prendre pour un fou. Mais quand les gens vont voir que vous commencez à faire du chiffre, ils vont aussi se lancer là-dedans et il y aura de plus en plus de la concurrence. Voilà pourquoi vous devez toujours penser à « Ok, aujourd'hui, je suis dans un business dans lequel j'investis 10 000. Il faut qu'après, je sois dans un business où j'investis 100 000. » Donc, vous voyez, il y a la barrière de l'investissement. Il n'y a jamais autant de personnes qui peuvent investir 100 000 qu'il y en aura qui peuvent investir 10 000. Donc, lorsque vous lancez dans un business qui demande 1 million de capital, vous savez que vous avez éliminé une grande partie de la concurrence. Donc, lorsque vous lancez, pensez toujours à des investissements qui sont de plus en plus complexes. 8e point, on n'investit jamais dans un projet. On investit sur le porteur du projet. Quand vous allez commencer à gagner un peu plus d'argent, il y aura des gens qui vont venir vous présenter des projets, le projet de rêve. Honnêtement, l'élément le plus déterminant dans un projet, c'est le porteur du projet. Ce n'est pas le projet en lui-même. Parce que c'est l'exécution qui détermine si le projet va fonctionner ou pas. C'est l'exécutant qui détermine si le projet va fonctionner ou pas du tout. Donc, prenez le temps de voir qui est le porteur du projet dans lequel on veut que vous investissiez votre argent. La vérité, c'est que Facebook, en soi, ça n'a rien de fou. Mais c'est parce que Mark Zuckerberg a su faire ce qu'il faut pour pouvoir mener Facebook où il est. La Startup Academy, en soi, ça n'a rien de fou. Mais c'est parce que derrière, il y a eu quelqu'un comme Colin Ubisi qui a su avoir la bonne exécution, qui a su avoir le bon leadership, qui a su avoir la bonne stratégie pour fédérer autant de personnes, pour rejoindre son idéologie, pour amener la Startup Academy au niveau où elle est aujourd'hui. On n'investit jamais dans un projet. On investit toujours sur le porteur du projet. Parce que le plus déterminant, c'est l'exécution. 9. Investissez dans un business qui est facilement scalable. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la scalabilité. Je vous prends un simple exemple. Tout à l'heure, vous avez dit que je suis allé me faire couper les cheveux dans un salon de coiffure. Le salon de coiffure, lui, déjà, ça lui demande un personnel. Ça lui demande ça lui demande du temps, ça demande des locaux. C'est très compliqué de rendre scalable un salon de coiffure. Voilà pourquoi, c'est possible, mais c'est très compliqué. Le process est très compliqué. De dire qu'on va réduire les charges et augmenter les bénéfices ainsi que la rentabilité. C'est très compliqué. Par contre, celui qui a lancé Google, chaque fois que vous faites une recherche, son algorithme se perfectionne. Google, ça fait partie des machines qui ont atteint la scalabilité vraiment maximale. Et vous dites ça, ce n'est vraiment pas le but de cette masterclass, mais c'est pour que vous ayez déjà ces informations-là. Je vais vous prendre un autre exemple. Lorsque moi, je crée cette formation et que je l'enregistre, après, je n'ai plus à la tourner à nouveau. Quand quelqu'un d'autre va venir me dire qu'il veut la formation, je lui présente la formation et il achète. Je vais vous donner une clé que très peu de personnes connaissent, mais une clé au 21e siècle. L'élément le plus pertinent qui peut rendre le plus pertinent à vendre et qui est plus facilement scalable, c'est l'information. Quand vous vendez une information, vous ne la perdez pas. Google vend des informations. Amazon vend des informations. Facebook vend des informations. Vous voyez, l'information est infinie. La connaissance est infinie. Donc, quand tu vends la connaissance, tu es sûr que l'argent que tu vas gagner, tu vas la gagner de manière infinie. C'est juste une autre forme de vendre la connaissance. Et nos enseignants vendaient déjà la connaissance. Avant, quand ils enseignent, c'est déjà la connaissance qu'on vend. Donc, je dis, si tu as aussi une connaissance que tu mets sur Internet, c'est aussi une information que tu vends. Voilà pourquoi vous voyez aussi beaucoup de gens se lancer aussi dans le business des formations, parce que c'est rentable, il y a un besoin à satisfaire. Besoin, opportunité, business. Tu peux répondre à ce besoin, tu te lances dedans. Les informations, c'est très rentable. Et 10e point, cherchez d'abord à maîtriser le
le processus et donc tout le cycle de votre produit avant de passer à l'échelle. Ça ne sert à rien de faire gros et incomplet. Faites d'abord le truc complètement avant de commencer, de vous aller à l'échelle. Je prends un exemple. Si vous avez un stylo que vous voulez vendre, avant de commencer à vendre 10 000 stylos, cherchez d'abord à maîtriser tout le circuit du stylo. Où est-ce que vous allez vous fournir le stylo? Où est-ce que vous allez le vendre? Une fois que vous maîtrisez ce circuit-là et que vous avez pu vendre un stylo, vous pouvez vendre 10, vous pouvez vendre 20, vous pouvez vendre 100, vous pouvez vendre 10 000. Moi, je dis dans le livre, on maîtrise le circuit. On sait comment produire les livres, on sait comment communiquer sur le livre et on sait comment vendre le livre. Comme on l'a fait à petite échelle et qu'on maîtrise le cycle complet, maintenant, on peut commencer à injecter l'argent pour la com pour aller à grande échelle.